Mendel Acres is one of the 10 City of Toronto long-term care homes. It was originally opened in 1964. It underwent complete renovations in the early 1990s and reopened again in 1995 with the official reopening. At that time, the city and the administration of the home had been working with members of the French community, led by Omar Delaurier, to establish long-term care beds in one of the city homes to provide access to French services for members of the community. Through that negotiation, 37 beds were set aside on the third unit at Bendale Acres, and it became known as Pavillon Omar Delaurier. Je fais des activités avec les résidents, les jeux, les programmes de musique. On invite des chanteuses, chanteurs sur le plancher, ou bien des enfants pour jouer des jeux, pour chanter pour eux. On apporte les résidents au service spirituel. On fait des exercices de groupe. Bendale Acres est une maison de soins de longue durée située à Scarborough, au sein duquel il y a un pavillon francophone, le pavillon Mendel Laurier, qui est pourvu de 37 lits. Malheureusement, depuis plusieurs années, le nombre de francophones au sein de ce pavillon-là a considérablement diminué. Donc nous avons été informés de l'existence de ce pavillon et de la diminution du nombre de francophones par la Fondation Hélène Tremblay-Lavoie. La Fondation Hélène Tremblay-Lavoie a été établie en 2010. Elle est un organisme de bienfaisance qui a pour but de favoriser et d'améliorer les services de soins de longue durée pour la population francophone du sud de l'Ontario. C'est très complexe, offrir des services en français, compte tenu de toute la problématique linguistique dans les provinces majoritairement anglophones comme l'Ontario. On se bute à des problèmes de personnel bilingue spécialisé dans le domaine de la santé. C'est assez pointu, ce domaine-là. Les études ont démontré que les aînés francophones qui vivent en Ontario, qui atteignent ce stade de vie, plusieurs d'entre eux perdent l'usage de leur seconde langue au profit de la langue maternelle. Et cette perte de l'usage de leur seconde langue-là entraîne d'énormes difficultés parce que ces aînés-là qui sont dans certains établissements totalement anglophones n'arrivent pas à se faire comprendre et ça entraîne un certain nombre de difficultés, non seulement pour l'aîné lui-même qui n'arrive pas à recevoir un soin, un service de qualité, et aussi pour les fournisseurs de services parce qu'ils n'arrivent pas effectivement à offrir aussi un service de qualité aux patients qu'ils ont en face d'eux. La situation qui avait été vécue par Mme Hélène Tremblay-Lavoie a été un peu le catalyseur qui a démontré qu'il y avait une lacune. Alors, suite à la formation, je devrais dire, nous avons tout de suite décidé de rencontrer l'entité pour travailler en collaboration avec eux, pour leur identifier ce problème ou cette opportunité. Et nous avons été très, très heureux de pouvoir travailler avec l'entité numéro 4 qui nous a permis de faire avancer ce dossier-là et d'amener tous les différents intervenants à travailler ensemble. Et nous avons fait une recommandation à nos élus pour la mise en place d'un comité de travail. Le mandat principal de l'entité, c'est de faire des recommandations aux élus. Donc, nous avons fait cette recommandation-là pour la mise en place d'un comité de travail qui serait chargé d'analyser la question et de formuler des solutions pour résoudre le problème de la diminution des nombres de francophones au sein du pavillon Mendel Laurier. Donc, le comité était regroupé de nous, l'entité 4, Reflet Salvéo, qui est l'entité qui couvre la région de Toronto et les régions de Mississauga et de Brampton, l'ensemble des airlists de la région du Grand Toronto, qui étaient représentés par leur coordonnateur de services de santé en français, les centres d'accès aux soins communautaires, qui sont les organismes qui gèrent les listes d'attente et qui gèrent tous les services communautaires au sein des territoires des airlists, et la communauté francophone qui était représentée par la Fondation Lavoie.
Et il faudrait ajouter également Bendel-Écosse qui a aussi eu une part active aux activités du comité. As of June 3, 2013, Central East Community Care Access Center began prioritizing eligible Francophone applicants on the Bendel-Écosse wait list under a specific category allowed by the Long-Term Care Homes Act for applicants with a specific language, culture, religion, or ethnic background. What this means is that the eligible Francophone applicants on the Bendel-Écosse wait list will have, as of June 3, 2013, a higher priority to be admitted to Pavillon Omer des Lauriers. Donc le travail de coordination et de mise en place de ce groupe de travail a été effectué en grande partie par l'entité 4. L'autre rôle joué également par l'entité dans ce comité, c'est l'organisation même des discussions, l'organisation même des débats. Donc l'entité a joué un puissant rôle de coordination, de mise ensemble de tous ces partenaires-là et d'organisation aussi au niveau des thèmes qui devaient être débattus, des réflexions qui devaient être effectuées, des recherches qui devaient soutenir la réflexion. Tout ce travail d'analyse et de réflexion a été effectivement effectué par l'entité 4. La communauté francophone a besoin vraiment de se renforcer dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que le travail d'engagement communautaire est très important. Et là, je voudrais vraiment féliciter le travail que réalise l'entité 4. Jusque-là, nous sommes très heureux d'avoir un partenaire comme l'entité 4 qui fait un travail exceptionnel dans le cadre de l'engagement communautaire. Et c'est pour ça aussi que nous sommes en train d'atteindre des résultats très concrets.